Ça, c'est vrai. Bon boulot, chef. Chef. Oh merde, mec, il a été touché. Chef. Chef. Oh bordel, il est mort. Oh putain. Ok. Réveil. Mouvement dans les armes. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Lâchez les armes. Non, non, non. C'est vous qui lâchez vos armes. Hoche, du calme. Reste cool. Des montagnards, je crois. Lâchez vos armes, c'est un ordre. Ben, je retrouve rien d'amical, mec. Croyez-moi, lâchez-les. Poursuivre, poursuivre. Crois qu'ils ont quoi bouffer, mec? Ça, c'est rien. Mais tu crois qu'ils ont des femmes? Oh là là, la beaufrie. La beaufrie attitude. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. On est parti pour la partie 8. Pour tout vous dire, j'enchaîne directement après la partie 7, là. Là, je suis chaud. On a bien avancé lors de la partie 7, il faut que ça se passe bien. Alors je pense qu'on est rendu à peu près peut-être à 60 ou 70% du jeu. Parce que voilà, il y a 14 missions en tout. Hop, continuer. D'après la jaquette. Je ne pense pas que la jaquette soit... ça soit un mensonge. On aura une mission sur un hélico aussi. Venez, enfin, on sera dans un hélico, on canardera. Dedans, dedans. Ok les mecs, continuez à bien ouvrir l'œil. Pas question de se faire surprendre. J'ai compris, mec. J'ai compris, mec. J'understand ce que t'as dit. Bonjour. Assis, assis. C'est vous le chef? C'est moi. Je suis le sergent Frank Weir. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une proposition pour vous. Et qu'est-ce que c'est, grand-père? Il y a plusieurs jours, Viet Cong sont venus emmener plusieurs gens à nous. Ils ont aussi volé une chose très précieuse. Ils ont pris une statue très sacrée, importante pour le bien-être du village. Je crois deviner. Vous voulez qu'on la rapporte et qu'on libère vos gens, c'est ça? Oui. Si vous aidez, nous donnerons ça. Putain, regardez un peu ça! Nom de Dieu, mec! Ouais! Hey, d'accord! Bon, bah ça m'a l'air réglé. C'est une affaire conclue, grand-père. Allongé, grand-père. Ma fille, elle va vous conduire jusqu'au temple. Vous la trouverez à la grande porte du village. Que les dieux soient avec vous. Allons voir la fille, on va lui faire des choses sales. Allez les gars. Là, faut aller où? Je dis allez les gars, mais je ne sais pas où aller. La jungle... Oh purée, c'est grand. La vache! Elle est là-bas, la statue qu'il faut récupérer. Et en fait, c'est quoi? Il nous donne une espèce de radio, là. Pour qu'on puisse contacter, sans doute, l'armée américaine, je ne sais pas. Hop. Survie, ok. Et dans la jungle, la fille du chef, Ash John, vous guidera jusqu'au temple à travers la jungle. Allez lui parler. Très bien. Et la statue sacrée se trouve quelque part dans le temple trouvé là. Ok, très bien. Et dans le temple, forcément, il va y avoir plein de Viet Cong. De méchants Viet Cong. Et non des montagnards. Allons-y. Attendez, oui, on vient de parler ici, mais on peut... Il n'y a pas un autre passage? Ah non, là c'est fermé ici. Ok. Donc faut bien aller par là. Bon, je vois rien du tout. Attends, hop. Ah, c'est déjà mieux avec la luminosité de l'écran. Hop. Toujours sur ordi portable. Hein. La base. Ah, par contre, je ne sais pas où aller là. On voit vraiment rien du tout. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que là c'est juste un jardin. On peut pas sortir ici. Ah non, faut revenir dans le bâtiment et il doit y avoir une sortie. Ah, ça commence bien. Ah, c'est par là. Ok. C'est bon. C'était une énigme. Énigme résolue. Vous êtes prêts à partir? Ouais, allons-y.
Ça partait. Je vais faire quelque chose d'important. En tant que soldat un peu en manque. Son boule n'est pas terrible. Mais ça fera l'affaire. Ah bah faut se mettre à leur niveau. Ah ouais, elle se dépêche là. Ah. Il y a un piège Viet. Il y a un piège Viet Cong. Alors attendez. Ah purée, c'est quand même vachement loin. C'est quand même vachement loin. Vous devez l'enlever. Retirez ce piège et nous continuerons. Alors tac tac tac. Piège à coup en vue. Faites gaffe à vous. Ok. Elle continue. Ah purée, elle continue en courant. Hop, let's go. Elle connaît par cœur la map, hein, évidemment. Elle a déjà guidé de nombreux joueurs. Beaucoup de Viet Cong sont passés ici récemment. Restez sur vos gardes. Entendu. La vallée devant va au nord, à la porte du temple. Il faut y aller. J'adore sa bretelle à l'arrière qui est complètement coupée. La texture qui bug sur ses habits. Tout va bien. Nous sommes sur PS2. Silence. Viet Cong devant. Viet Cong devant. C'est la petite musique d'infiltration. Là. Il faut être prudent. Il vaut mieux tuer les gardes en silence. S'ils nous voient, donnent l'alarme. D'autres Viet Cong vont venir. Bah oui, évidemment. Je vous suivrai quand vous aurez nettoyé le bord sud de la vallée. Restez par là. Merde. Mort discrète. Il n'y en a pas d'autre à côté ? Il y a un autre embranchement sur la droite. Bon, je vais continuer comme ça. Oula. J'entends des bruits de feuillage. Il y en a un là-bas. Attention. Ouais, il peut nous voir là. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à quelqu'un? Ah non. Oula, il vise le flanc à droite. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à droite. Oula. Oh putain, à 6h, à 6h! Il est parti? La musique s'intensifie. Oh là là, y en a un qui vient, y en a un qui vient. Ah c'est bon, il repart. Voilà. Oh purée, il vient là, lui. Dans ça. T'en fiche. Je l'ai payé de manière vraiment discrète. J'ai l'impression que ça passe. Faut vraiment tous se les faire. Parce que sinon on peut avancer là. Ah purée. Oh là là là, j'ai parlé trop fort. Oh là 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 là, là c'est vraiment difficile. Tant pis. Faut tirer dans le tas. Il y a un derrière qui va venir. Quoi ? Quoi ? Ah, il faut vraiment pas se faire voir. Ah ouais, c'est compliqué. Ah ouais, d'accord. Attendez, moi je... Attendez, là je rigolais, là, je faisais un peu l'andouille. Je me disais, bon, on va essayer quand même de se la jouer infiltration, mais bon, au pire, si on se fait repérer, bon, ça passe. Eh ben non. Et carrément, échec de la mission. Excellent, excellent. D'accord.
Ma fille, elle va vous conduire jusqu'au temple. Vous la trouverez à la grande. Bon, c'est où elle est. Vous êtes prêt à partir? Ouais, allons-y. Du coup, je vais refaire le script. Son boule est vraiment pas mal. On s'en contentera, c'est pas non plus fou, mais... voilà. C'était le script, hein. Ça se répète. Plus vite, le chemin est par là. Ça fait partie du jeu. Bon, là, on va dire un piège vite Kong. Voilà, ici. Piège à con. Merci. Ces pièges sont dangereux pour mon village. C'est bon. On n'a pas grand chose à faire au début. Les gens sont passés ici récemment. Restez sur vos gardes. Entendu. La vallée devant va au nord, à la porte du temple. Il faut y aller. Faut y aller. Ah là, là, il y a la musique d'infiltration. Attention. Silence. Viet Cong devant. Allez, moi, je n'ai pas de carton sur moi. Je ne vais pas pouvoir me cacher. Ça va être compliqué. J'ai du mal à. Il faut être chuchoter. Prudent. Il vaut mieux tuer les gardes en silence. S'ils nous voient et donnent l'alarme, d'autres Viet Cong vont venir. Je vous suivrai quand vous aurez nettoyé le bord sud de la vallée. Ah ok, faut tous les tuer. Faut tous les tuer, alors. Mais on n'a pas d'armes. Ah, ça serait trop beau. D'armes équipées de silencieux. Attention. Oh là 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 là. Mais quel talent. Il faut faire gaffe parce qu'il y en a un à droite. Faut bien regarder s'il ne regarde pas de notre côté. C'est tellement pixelisé, je ne sais pas s'il est en face de nous ou pas. Ah, attention. On passe par là. Il pousse sa petite chansonnette. Oh, fichtre. 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 Vin Dieu. Nom d'un kebab sur pâte. Retraite. Retraite. Attendez. Il vient ou pas cet imbécile? Il part là. C'est l'autre abruti qui m'a vu de loin. Alors lui il passe par là, il a fait sa petite chansonnette. Là il y en a un au bout qui m'a vu, à moitié. Ah purée, il y en a un autre. C'est qui me voit? Enfin Dieu! Ce passage-là, c'est pas génial. C'est mieux d'aller là-bas. Finalement. Comme au début. Ah, y a plus de musique? Ah non, ça reprend. Ça reprend. C'était la mi-temps. Enfin, ça va être un peu compliqué. On voit vraiment que dalle. Oh purée! Ben, j'entends quelqu'un. Quelqu'un qui chantonne. Il parle tout seul. Nickel. Attention. Je suis à fond là. Oh là là, il y en a un qui m'a vu. Il y en a un qui m'a aperçu. Alors, je sais pas après s'ils peuvent voir leurs camarades. Les corps.
les cadavres de leurs camarades. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression parce que le jeu est tellement mal codé que qu'il ne gère pas les cadavres. Il dépop assez rapidement. C'est un peu con. C'est ce que, voilà, en vue FPS, c'est peut-être un peu mieux. On a un plus large... large champ de vision. Ah purée, il y en a qui, hein, qui m'a vu à moitié, là. Je ne sais pas où il est. Ça a mis une grosse flèche jaune sur la map. Ah, c'est celui qui est là-haut. Attendez. C'est pas quelqu'un là-haut? J'arrive à peine à voir. Je rapproche ma tête de l'ordi portable. L'installation du bled. Je vois deux pixels qui bougent là-bas. Est-ce que c'est la végétation qui bug? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous scrute, qui scrute l'horizon? Ah mais à chaque fois je me fais avoir. Je vais me repérer ici à chaque fois. On peut pas passer par là. Bon. Rebrousse son chemin, allons ailleurs. Il y a d'autres embranchements. On va bifurquer à droite. Attention. J'essaie de ne pas respirer très fort. C'est le let's play ASMR. Piège à quoi en vue ? Faites gaffe à vous ! Alors, un piège. Un piège. Ah. Ah, ça fait mal, je sais pas ce que j'ai eu. Je perds de la vie. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi comme piège ? Je ne l'ai pas vu. Ça là. Ah ok, il s'est fait mal. Je me suis reçu une pointe dans le pied. Ah, j'ai eu une pointe dans le pied, ouais. Ça fait mal. Mais on continue. J'ai entendu du bruit à droite. Il y en a un à droite. Ah purée. Mais non, va pas devant. Fais un duel. Peut-être aller par là. Oh purée. Ah non mais attends, je suis un abruti. Mais c'est mes potes. Oh là là. Mais quel imbécile. Alors oui, il y en a un par là. Celui-là, là. C'est peut-être son pote que j'ai tué là-bas. Peut-être que maintenant je ne vais plus être gêné. Je ne sais pas. On va voir. Ah non, si, il est là-bas encore l'autre. Ah purée. Comment on se les fait, hein ? Ah purée, 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 purée. Purée, purée. Comment il m'a vu ? J'ai rien compris, mais comment il m'a vu ? Il m'a vu de dos. Il m'a vu de dos, cet imbécile. Mais il a des yeux derrière le dos. Fin Dieu. J'en sais quand même passé. Merde. Ah purée. Ah, faut pas qu'elle se fasse tuer. Ah, j'ai compris, ok. Mais oui, mais elle est idiote. Oh là 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 là, mais c'est compliqué. Attends, on est à combien de minutes? Wow, on n'a pas avancé, on est à 20 minutes. Voilà, j'hésite à faire une coupure. C'est compliqué.
ça n'a pas été très concluant. Excellent. Ma fille, elle va vous conduire jusqu'au temple. C'est mal fait, quoi. C'est... Enfin, on ne sait même pas pourquoi on est repéré. C'est tellement pixelisé, là, on arrive à peine à les voir. Que bon... Puis eux, ils nous voient à des kilomètres. Comme si ils ne jouaient pas au même jeu que nous. Ça se trouve, ils jouent en 4K à Far Cry 6. Hein. Purée. C'est impressionnant, ça. Bon. Tant pis, tant pis. Non, mais je veux pas... Vous êtes prêts à partir ? Ouais, allons-y. Bon. Bon, j'ai skippé le script, là. Le script du boule. Ah, au bout d'un moment, faut arrêter. Sinon, vous allez toujours voir la même chose. C'est un peu répétitif. Ah. Plus vite, le chemin est par là. Schnell ? Ah oui, ok. Le piège ! Il y a un piège. Voilà, parfait. Let's go! Après 20 minutes, on n'a rien foutu. C'est magnifique! C'est Botifule. C'est vraiment Botifule. Attention. Alors, bon, je vais essayer d'en avoir deux au couteau au début, et puis après, on va les canarder. Tant pis. Et par contre, on restera proche de la fille, hein. Le problème, c'est qu'elle, elle n'avance pas. Elle reste là tant qu'il y a des ennemis, en fait. Elle n'avance pas. L'IA n'est pas très développée, quoi. Ouais, donc on est obligé de se les faire. Voilà, il y a le premier. Bon, après, ils viennent vite, hein, quand ils nous repèrent, purée. Ah, c'est direct, hein, il la canarde direct. En plus, j'ai l'impression qu'il canarde elle en priorité. C'est fou. Oula, la musique. Il y avait un coup de trompette là, mal placé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, normalement il y en a un. Il s'est barré ou quoi? Ok, il est là. J'entends des bruits à gauche. Ah, c'est pas très bien fait, hein, pour les avoir. Ah, là. Bah, il y en a un là-haut. Je rêve pas. Je sais même pas par qui je... Enfin, bon, je vais mettre un plat ventre, hein, on va voir. Ouais, vaut mieux aller plus vite, hein, purée. Super, il bug. Ah, il est où cet imbécile? Ah, voilà, il est là-bas, à droite. Sachant que il y en a un autre par là-bas, au bout, que je ne vois pas. Donc lui, il vient jusqu'où? Il vient jusqu'où cet abruti? Ah, il vient. Il est en train de venir. Et là, il repart. Ok, il fait des tours. On peut pas se mettre à plat ventre ici. Bon, c'est logique, il y a de l'eau. Super, 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 super. C'est impossible de pas se faire voir là. Enfin, je ne comprends pas. Ça marche comment ce jeu? C'est quoi cette mission? D'un côté, c'est une bonne idée de faire de l'infiltration, mais bon, quand l'infiltration est super mal faite, autant pas le faire. Ils l'ont testé leur jeu, Pivotal Games là. Bon, après, vous me direz, c'est Pivotal Games, hein, c'est pas du Capcom ou du Ubisoft. Hein. Il n'y a pas trop de maîtrise, quoi. Mais bon, ils devraient être un minimum professionnel quand même. Ils vendent leurs produits.
sinon, il risque de ternir l'image de la PS2. Là, ça va loin. Ah oui, attention, là, le piège, du coup, ici. Ah, ok, ça, ça sert à rien. Ok, là, c'est mes potes. Ah, mais ici, comment tu veux pas te faire repérer, là? À part fusiller le gars. Non, mais là, c'est impossible. Je mets à plat ventre, enfin, je sais pas. Quand il marche, le jeu à la con. Enfin, je commence à m'énerver, là. On peut avancer qu'à plat. Ok, super. Préparer l'arme. Non mais comment on se le fait de manière silencieuse? Bon, au pire, c'est bon, je m'en fiche, moi. Allez, c'est bon. On va juste protéger la petite, là. Hop. On reste là. Il y en a un qui vient. Mais pourquoi il tire pas, là? Putain, il a pas tiré. Pourtant, j'ai appuyé sur R1. Heureusement qu'il y avait mon camarade qui a tiré. Oh, il y en a. Voilà. Il y en a un là-bas avec un flingue. C'est bon. C'est plus simple comme ça, hein. Ils viennent tous, voilà. D'accord, allons-y. La vallée de vent va au nord, à la porte du temps. Il faut aller. Donc là, elle va avancer ou... Enfin, quoique, il y en a encore. Hein. Pas à l'infini ou quoi? Bon, je préfère laisser mes gars à côté. Côté de l'autre. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ah bah elle est partie. Elle est plus là. Faut avancer. Je crois qu'elle est plus là. Attendez. Elle est où? Ah non, elle est plus là. Ah purée. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est le bordel, c'est le bordel. Elle est où? C'est le problème, on sait pas où elle est. Du coup, je ne sais pas, moi, comment la protéger. Je ne voulais pas changer de personnage. Putain, il y en a encore? C'est pas vrai. Il a dû bien avancer, je sais pas. Pas de repli. Pas de repli. Oh purée, il a gueulé. C'est pas quelqu'un. Je suis sur le qui-vive. Je ne sais pas où est la fille. Mais tout va bien. Alors, attendez, on est rendu où là? On est rendu ici. Il faut faire tout ça. Oh, mais c'est immonde. Je vais pas tout de suite sauvegarder quand même. Parce que bon, on a pas vraiment avancé. Bon, elle est où? Elle est partie où? Oh, purée. Oh, putain. Je sais pas où elle est. En canard, on... je sais pas ce qu'on fait, mais... Ah, c'est le bordel. J'ai 20 trousses de soins. Purée. J'en ai beaucoup avec lui. Alors, attendez. Mais c'est bizarre, elle est toujours... Ah, purée. Au moment où je voulais voir si elle était là. Ouais, elle est plus avec notre groupe. Y'a pas marqué où elle est?
Protection. La fille du chef vous guidera jusqu'à l'entrée du temple. Protégez-la à tout prix. Attends, elle est restée derrière ? Bon, tant mieux d'un côté, hein, s'il n'y a pas d'ennemis qui viennent derrière. Ça me paraît bizarre. Attendez, si on va par là, c'est la suite. Allez, canard, celui-là ! Purée. Contact. Faut le tuer, vite. Je sais pas où il allait courir, mais... Je pense qu'il voulait se faire la petite, hein. Sans sous-entendu, évidemment. On est rendu. Ok. Ça a l'air pas trop mal. À gauche, il y a perso, ouais. Il y a rien du tout. Ça a l'air pas trop mal. On a pas mal avancé. Tac, tac, tac. Est-ce que je sauvegarde? Bon, allez, petite sauvegarde. Ça ne mange pas de pain. On peut écraser. Par contre, si on écrase ici, je sais pas. Ah, non, on pourra toujours. On a quand même la possibilité de recommencer toute la mission. Si c'est une sauvegarde un peu erronée. Bon, ça m'embêterait un peu quand même que la sauvegarde soit pas bonne. Parce que si on l'a perdu en fait, on peut pas vraiment continuer la mission. Bon, ça a l'air d'aller là. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin d'elle vu que. Ah, on revient sur. Ah, ok. On revient sur nos pas. Alors, je pense qu'il faut vraiment. Ouais, elle a dû rester là-bas. Alors, je ne sais pas où elle s'est barrée, mais. Elle a dû rester un endroit derrière nous. Ok. Ok. Elle va loin, là. Ah bah, ok. Ok, ça a débugué. Ah, d'accord. Fallait recharger la partie. Il n'y avait plus de vieille conque dans la partie qu'on a rechargée, alors que normalement, il y en avait. Ils ont dépopé comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Mais tout à fait! Je ne peux pas aller plus loin. Que les dieux soient avec vous. Mais tout à fait! Non, mais très bien. Non, mais c'est quoi ce jeu? Il était buggé. C'est magnifique. Elle voulait pas avancer tout à l'heure, et là, on charge la sauvegarde. C'est la même sauvegarde. Hein. Elle avance. On a fait exactement la même chose. On est revenu la voir. Bon, alors on s'en fiche, parce que du coup... Dans les objectifs, il n'y a plus besoin de la protéger. Protection, slash vert. Ah, du coup, on peut canarder maintenant. Maintenant, on s'en fiche. Hein. Tac, 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 voilà. Mais tire! Putain, des fois, il tire pas. Peut-être qu'il y a des drops, là. Il rame tellement le jeu. Purée! Des ennemis! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh là là! Mais quoi? Pourquoi il vise au-dessus là? Oh purée! Oh là 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 là, j'allais dire c'est pas l'idéal, faut que je prenne un autre perso, mais bon là j'ai pas trop le temps. Parce qu'il a pas une arme exceptionnelle lui. Encore rechargé? Pourquoi il a pas pris en compte que j'ai rechargé? Bon lui il est bugué, c'est génial. On voit rien du tout. Ok. Oh là 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 là. Non mais là on voit rien du tout. C'est incroyable, hein, c'est impressionnant. Je ne sais même pas où je suis. On ressort dehors
Attendez. Ah bah, on ressort. Peut-être qu'il faut plus passer par là. Je suis paumé. C'est compliqué. Ah, c'est quoi ce jeu? Ah, ok. Il repop comme ça, comme par magie. Comme par enchantement. Très bien. Je vois rien. Carreau d'arbalète. Je sais pas. Mais attendez, c'est pas possible. On voit rien du tout. C'est là-dedans qu'il faut aller. Mais what? Oh purée. Mais dégage toi. Il pop comme ça, mais sans prévenir. C'est pas logique, hein. Il pop du mur comme ça. Attention à la grenade. Ah, ils sont tous fait avoir. Bon, ils se sont soignés aussitôt. Par contre, pourquoi on voit plus rien? C'est bon, on avance. Mais Junior, qu'est-ce qu'il a foutu? Ah ok, des fois il recharge mais ça prend pas en compte, hein. Ok. On n'avait pas eu ce bug avant, hein. C'est nouveau ça. C'est quand même un peu pénible, j'espère que ça va pas le faire très souvent. Il est où Junior? Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu Junior? Pourquoi il est allé aussi loin? Je lui ai dit de me suivre, hein, pas de, d'aller en première loge. Purée. Y'en a un là-bas quoi? Non. Bon là on avance. Ok, il parle tout seul. On va monter. Attention, vous tirez, il y a des villageois enlevés dans le secteur. Ah, il y a des villageois. Surtout pas tirer sur les villageois. Je pense que nous sommes rendus. Ouais, on va sauvegarder. Je pense qu'on va sauvegarder là. Allez, petite sauvegarde. C'est la dernière sauvegarde, par contre, c'est le dernier point de contrôle. Enfin, on peut en mettre que deux, quoi. C'est abusé quand même. On est en facile, on peut mettre que deux points de contrôle. Enfin, normal, c'est pareil, c'est deux points de contrôle aussi. Il me semble que dans Desert Storm, c'était 3 points de contrôle en facile. Bon, on se le fait direct. Ok. Ok, génial. Il est où? On voit rien du tout. On voit rien du tout. Je me soigne. Je sais pas si c'est normal. Pourtant, cela tourne sur une vraie PS2. Hein, ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi sombre. Le jeu est comme ça, hein, on voit rien. C'est génial. Attends, on voit encore moins que dans Resident Evil 8. Ce n'est pas normal, Resident Evil 8 c'est un jeu d'horreur. Là, c'est pas un jeu d'horreur. Purée. C'est un jeu d'horreur dans les graphismes. Ah purée, c'est violent. Ah, c'est vrai, c'est vraiment pas beau quand même là. Et les textures... ça fait peur. Ah, attendez, on est rendu ici. Bon, Cherry là, faut qu'il fasse gaffe. Hein. Enfin Doc maintenant, je sais pas pourquoi il a changé de nom. Allez, 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 allez. Ah mais ça se trouve Cherry c'était pas vraiment un nom, ça se trouve c'était quand il l'appelait Puceau. Et ça veut peut-être dire Puceau en anglais. Hein. Ah, faut peut-être faire des recherches. Je sais pas du tout. Après normalement le jeu est en français donc
Après, il y a certains jeux où c'est pas traduit de partout. Hein. Ça arrive des fois. Par exemple, il y a Game Start dans le menu principal, et alors qu'après le jeu est en français. Ça peut arriver. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Après, généralement, ce n'est pas traduit, mais c'est sur des phrases très faciles à traduire. Ah bah voilà, je l'ai récupéré, la statue. Donc, nouvel objectif principal, retour. On doit juste retourner à la base. On va retourner. Alors, attendez, il préfère qu'on aille par là, pourquoi? Ah oui, qu'on descende par là et pas revenir comme ça. Pourquoi? Alors, théoriquement, c'est plus rapide, mais bon, si derrière, il n'y a pas d'ennemis, hein, autant revenir derrière. Bon, quoi qu'on va se les faire. On va faire comme il nous dit. Hop. Comme ils nous disent. Ok. Je précise que je vois rien du tout. Hein. Je pense que vous l'avez compris depuis. Allez hop. On soigne. Faut aller où là? On monte par là, ça doit être ça. Là je ne comprends pas. On fait ça. Très bien. Ah, c'est qu'il y a des gens là. Ah ok, c'est des civils. Vous êtes libre, dépêchez-vous de retourner au village. Ah, c'est des prisonniers quoi. Des esclaves. Après moi je suis nul à chier en histoire, mais bon. Sûrement que voilà, au Vietnam là-bas, bah, ils ont été persécutés et il y a eu pas mal d'esclaves. Alors, on est quand même bien heureux en France. C'est un peu les bisounours la France. À côté c'est sûr c'est les bisounours. Faut aller là-bas. Avant Dieu! C'est bon là. Au Vietnam, ça se. Purée, vendu. Ça ne s'est pas arrangé. Alors par contre. Par contre, je me suis fait canarder par quoi là? Je n'ai pas compris. Putain, il a plus qu'un fusil. Il a plus qu'un fusil, ce con! Ah là là là, je suis dans la merde. Je suis bloqué. Ah purée. Purée. De fichtre. Oh, c'est une grenade au cas où. Mais non, je me suis pas soigné, n'importe quoi. Purée, il est là lui. Ouais, je prends le flingue. C'est mieux. Nickel. Bon, je vais soigner les gars. Allez! C'est bon. Putain. Ah putain! La grenade, elle a bugué! Mais putain! Je me calme. Bon, c'est bon, je vais revenir derrière, c'est bon. J'ai compris. C'est un jeu de merde. N'importe quoi, il a balancé bien au-dessus le rocher, mais je sais pas, il y avait un mur invisible et du coup la grenade elle a explosé comme ça. Super, j'adore. Putain, heureusement que j'ai sauvegardé. Hein. Oh là là. Oh ce jeu. Encore, par exemple dans Far Cry, moi ça m'arrive souvent de mourir dans Far Cry 6, là, ce qui n'est pas facile. Mais c'est de ma faute quand je meurs, c'est parce que j'ai merdé, voilà. Il se passe pas n'importe nawak. Je me fais encercler et voilà, j'ai mal joué.
Là, c'est vraiment n'importe quoi. On meurt, mais on sait même pas pourquoi. C'est n'importe quoi, quoi. Le jeu, il est codé aux fraises. Oh, là. J'ai l'impression de jouer à un jeu infogramme. Ah, mais là, c'est impressionnant. Purée. On va rebrousser chemin après, hein. Moi j'ai compris, c'est bon. Compris. Après on est dans une phase où c'est complètement buggé. On a compris, de toute façon on peut revenir. Ah, j'espère. Hein. Qu'il n'y a pas eu un éboulement à la con ou je ne sais pas quoi derrière nous et hop, on peut pas revenir. Ah, si ça se trouve, hein, ils ont inventé une connerie comme ça. J'espère que non. Super. Hein. La nuit court comme ça, tranquille. Allez. C'est bon, on a compris, de toute façon, faut bourriner dans le jeu. Alors, tac, 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 faut passer où? Faut passer là-dedans. Tac, passer par là. Ah, super. C'est bon, je me soigne. Hop. Putain, il en perd de la vie, la Ragman, là. Qu'est-ce qu'il a? J'en perdais pas autant avant. On est passé en normal d'un coup, ou quoi? Pas logique. Mais je canarde. Il meurt jamais, le gars. Pff, oh, j'en ai marre. Ah, je veux finir cette mission, là. Allez, c'est bon, je récupère la statue sacrée de mes couilles. Allez, c'est parti, c'est bon. Oh là, l'ami junior qui suicide, super, allez. Pff, putain, j'en peux plus. C'est une catastrophe. Voilà. Alors, je me soigne. Tirez, les gars, tirez. Voilà. Purée, il repop à l'infini, là. On comprend rien. Je soigne qui, là? N'importe quoi. Je vais me soigner. Purée, mais il repop à l'infini ou quoi? C'est encore pire que tout à l'heure. Putain, mais tout à l'heure, on pouvait revenir. Oh là 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 là. Et il est où l'autre qui est en train de crever? Ah mais non, on l'a sauvé, c'est bon. Putain, j'ai rien compris. Bon allez, faut revenir. C'est bon, go. Attendez, c'était comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, go. Catastrophe. Ah, cette mission, je la déteste. Alors. C'est par là? Non. Ah, ils aiment bien les ragoûts, hein. Pivotal Games, hein. C'était pareil dans la grande évasion. Avec leur Spitfire au-dessus de la manche, là. Purée, il faut aller où? Là. Ça n'a pas de logique, hein. Je me souviens pas d'être passé par là, mais bon. Admettons. Ok, il y a un mur invisible, j'adore. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux fois plus d'ennemis qu'avant. C'est illogique. Il y a des fois quand on recharge, il y a plus d'ennemis, des fois moins. Ça n'a aucune logique, ce jeu. Mais là, normalement, il n'y a pas de mur, là on peut revenir. Ah voilà, c'est là-dedans. Parce qu'on voit tellement rien. Voilà. Oh là, c'est moche en plus. C'est pour ça qu'ils ont mis ça vachement sombre, hein, pour pas voir l'état des textures. Oh là. Ah bah enfin. Ils ont arrêté de nous poursuivre. C'est incroyable.
Ce jeu, c'est incroyable. Allez, on revient comme ça. De toute façon, on a la statuette à la con. C'est bon, moi, je fais pas les objectifs secondaires. Trop chiant. Je suis bloqué par quoi, là? Il peut même pas enjamber ça, quoi. Allez, allez. On se fait canarder par quoi, là? Par un chevreuil? Incroyable. Pourtant, c'est là-bas qu'il faut revenir. Je comprends rien à la carte. À gauche. Et là, on revient à droite. Faut remonter là-dedans. On voit rien du tout. Avec la carte, là, je crois qu'il faut aller à gauche. C'est ça. Et là, à droite, il y a une ouverture. Voilà. C'est pas normal qu'on voit rien comme ça. On doit avoir une lampe torche, non? C'est pas possible. Grenade fragmentée, hein, fumigène. On a rien. Détonateur Claymore. J'ai cru que c'était un briquet. Je me suis dit, bah... Non, mais on a rien. On a que dalle. C'est génial. Donc, faut sortir par là. Ah, c'est parfait. Enfin. C'est bon, on a quasiment fini. Alors j'espère qu'il n'y a pas des Vietcong qui ont repopé derrière. Et normalement c'est bon. Normalement là il n'y a personne, c'est nettoyé. Attendez, je vais où là? On n'y voit rien, on n'y voit rien. Oh, des Airstorm, c'est beaucoup plus simple. Allez, hop, par là. Ah, je fais des efforts. Il y a eu des commentaires assez élogieux sur le début du let's play de Conflict Vietnam. C'est bien parce qu'il y a eu ces commentaires que l'on continue, hein, vendu. Oh là. Parce qu'on a vu avec Fireflav l'ampleur du désastre là en 4 parties. Et bon, en avançant, c'était pas non plus une catastrophe. Hein, la partie d'avant, bon. Le jeu, c'était pas trop mal. Mais là, ça repart en cacahuète. Là, ça repart comme dans la deuxième mission de Conflict Vietnam qui a chié. Purée. L'idée globale est bonne, mais c'est juste qu'on n'y voit rien, c'est chiant. Pourquoi les héros pop comme ça, là? On est bien dans le bon chemin, oui. On revient pas dans la base. Je me soigne. Ok, nickel. Je n'ai plus de trousse de soins. Donc attention, là. Je sais pas, ils ont repopé comme ça, eux. Ça n'a pas de logique. Hein. Ça se trouve, le village se fait attaquer, là. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Voilà, s'il y a encore ça, faut encore continuer la mission. Alors, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. C'est bizarre que la flèche blanche nous indique toujours derrière. J'espère que le jeu va quand même considérer que... Voilà, du moment qu'on rentre la statuette, c'est bon. Faut aller où, là? Ah, c'est là-dedans, ok. Tac, tac, tac. Parlez. Merci. Merci. Et voilà la radio. Ah là, la radio, enfin, purée. Oh là là, purée, elle a duré combien de temps, cette mission? C'est une catastrophe. 28 minutes. Je m'attendais à plus. Ah non, mais ils sont gentils, mais... Il y a eu les nombres de fois qu'on a recommencé et tout. Ils ont pas compté ça, hein. Oh, bah là...
Je suis désolé, ça va être une partie assez courte parce que... Enfin... De mon côté, là je suis à 1h18 de vidéo. Mais je pense que je vais diviser par deux la vidéo. Il y a la moitié de la vidéo, elle sert à rien. On a fait que tourner en rond. Je n'ai pas dit grand chose du coup. Oh là là. Ah, c'était compliqué cette mission, hein, purée. J'étais au bout de ma vie. Alors, grenade. Oh, les médecins, je sais pas moi. Un coup de médecin, de toute façon, ça sert presque à rien ça. Pourquoi je perds mon temps là-dessus? Alors, les lance-roquettes au cas où, je sais pas si à la fin du jeu on va avoir un lance-roquette, hein, je ne sais pas. Et que ça va être le bordel, ça va être le boxon. Ah, je sens, moi j'ai un peu peur, j'appréhende la fin du jeu. J'ai un peu peur. Attendez, tête tireur d'élite lui. 500, ok, très bien. Tac tac tac, fusil d'assaut. Très bien. Ah non, lui normalement c'est mitrailleuse. 500 mitrailleuse. Si on l'enlève, il y a plus de 500, donc il vaut mieux faire la mitrailleuse. C'est son arme de base. Un cran de fusil d'assaut, un pile poil. Nickel. J'ai pas l'impression que ça améliore grand chose de faire ça, mais bon. Autant faire les choses bien. Je ne sais pas combien de missions on est. Je crois que... Je ne suis pas sûr, hein, mais peut-être que c'est la mission 9. Est-ce qu'il y a marqué? Je fais pas gaffe. Quand j'ai sauvegardé, peut-être qu'il y avait marqué. Je n'ai pas fait gaffe. Toujours utile que nous avons quand même avancé malgré tout, même si c'était compliqué, que c'était cornélien. Cette partie... Elle était énervante. Mais on avance doucement, mais sûrement. Je ne vous cache pas que... à côté de ça, je fais du Resident Evil 8 et un peu de Far Cry 6 sur la PS5. Resident Evil 8 sur PC, parce que j'avais acheté depuis un petit moment. Et je ne vous cache pas que de retourner sur ce conflit Vietnam, c'est compliqué. Mais bon. Après, voilà. Moi, j'ai pas trop la motivation de vraiment faire en vidéo, en let's play, tout ça, les jeux récents. Surtout qu'il y en a des millions, il y a des millions de let's players qui le font. Déjà. Et puis en plus, bah, plus pour profiter de découvrir le jeu. Surtout quand c'est des jeux où il faut bien s'immerger. Moi, je préfère le faire en off et plutôt donner mon avis en test, en vidéo test. Donc, il y aura peut-être un vidéo test, voilà. Alors déjà, je prévois un vidéo test pour Resident Evil 7. Déjà. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait. Avec des potes. Bah, c'était pas non plus perfect, c'est vrai que normalement faut être tout seul pour ce genre de jeu. Mais voilà. Et Resident Evil 8, voilà, j'ai pas mal avancé. Et donc, ouais, bah, moi, je suis assez motivé pour donner mon avis sur les derniers Resident Evil de chez Capcom. Enfin, voilà. Bon, j'essaie de meubler, de dire un truc intéressant à la fin de la vidéo, parce que... je pense que vous serez peut-être à 30 minutes de vidéo, là. Il y a une bonne partie que je couperai. Oh là là. Ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas ce que je vais couper exactement. Et peut-être que vous allez tomber sur le passage où je sors un truc à un moment, mais c'est pas normal. Là, je recharge la sauvegarde et hop. Enfin, pour tout vous expliquer, normalement, voilà, on devait escorter la fille. Là. Enfin, la fille, c'était notre guide. Mais en même temps, on devait l'escorter, la protéger, etc. Évidemment. Et c'était compliqué parce que, bah voilà, à un certain moment, elle voulait pas avancer. Parce que pour elle, il y avait des Viet Cong devant, il y avait des ennemis. Et
Alors que, il y en avait aucun, j'avais fait tout le tour et tout, pendant au moins 30 minutes facile. Je dis au bout d'un moment, bon c'est bon, je tire partout, je balance des grenades partout, je me blesse même en balançant la grenade. Et y'a personne. Bon. Je reviens lui parler, elle veut toujours pas avancer. Mais vain Dieu. Mais vain Dieu. Et du coup... Ah, une catastrophe. Et du coup, après, bah... J'ai dû recharger la partie, et en rechargeant la partie... Et bah là, c'était bon. Elle voulait avancer. Ok. Et surtout que c'était une sauvegarde où il y avait encore... où il restait normalement pas mal d'ennemis dans la jungle. Et je sais pas ce qui s'est passé, le jeu a fait dépoper les ennemis. Il y avait plus rien, là on pouvait avancer alors que j'avais rien fait. D'accord, c'est illogique. Et bon, tant mieux d'un côté, mais de l'autre on a quand même perdu pas mal de temps avec le bug précédent, avant de charger la sauvegarde. Voilà, ça m'a un peu énervé, et puis la phase après... Ça n'a pas vraiment arrangé les choses, donc ce n'est pas vraiment très... Ah là, il perd des points lors de cette partie, le jeu. Hein, il perd des points. Bon, sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures. Avec un peu de rancœur.